Allô, donc ben c'est Clément, c'est là. Alors tenez-vous bien, deuxième vidéo en 5 ans. Donc là, j'ai un rythme d'enfer, je suis fatigué. En plus, quand je vois ce qui se passe avec les retraites, je suis mal barré. Mais donc, non, il est là, viens là, super. Donc Clément, je fais les intros de tout le monde. J'ai fait l'intro pour ton pote Matt. Là, toi, ça va? Ça va. J'ai aussi une vidéo à faire, moi. Bah, tu l'as fait là? Ah, je l'ai fait là, sur ta chaîne? Ouais. D'accord, et je t'invite dans mon live après? Ouais. Ok, bon, ça va alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais poser la question, tu fais quoi, toi? C'est-à-dire? La soirée, tu vas faire que les shows, tu vas faire la chasse au trésor, tu vas tout faire? On va tout faire. Tu vas être partout? Partout. Des gens vont filmer pour toi? Non. Il fait tout lui-même, c'est pour ça qu'il y a deux vidéos par an. C'est ça. J'ai démarré en 10 ans, 2 vidéos en 5 ans, là je suis passé sur la mienne. En tout cas, je te remercie, c'était très bien ce que tu avais fait en Californie. Ah, deux vidéos, attends, deux vidéos. Ouais, j'étais présent quand tu les avais mis ah, merci, ça fait plaisir. Et c'est super, on voudrait en voir d'autres. L'année prochaine. Donc, Disney World. J'hésite encore, mais probablement Disney World l'année prochaine. On dit rien. Bon, allez, attaque la soirée. Et merci. N'oubliez pas, donc, si je reviens pas, de vous abonner, le pouce vers le haut, commentaire, partager la vidéo. Faites la même. Voilà. Faites la même, vous trouverez tout en bas dans la description. C'est en dessous la description. Par contre, ceux qui regardent sur l'écran dans le salon, ils n'ont pas accès. Ils veulent pas, ils veulent pas faire Non, ça c'est moi, ça. Ah d'accord, ok. Bon, hein, fais ton boulot, toi. Chers membres passagers, êtes-vous prêts à vivre les grandes aventures du parc Disneyland ce soir? Merci d'accueillir le responsable du programme passagers, mais surtout notre maître de cérémonie, Arthur Bagageau. Bonjour à tous, bienvenue au parc Disneyland, bienvenue pour cette 10e soirée passerelle placée sous le signe de l'aventure. Dans quelques instants, vous allez partir à l'exploration du parc Disneyland. Mais avant cela, nous ne pouvons pas commencer cette soirée sans se rappeler tous les bons moments que nous avons passés ensemble au cours des 5 dernières années. Et oui, souvenez-vous, tout a commencé en 2018 avec la soirée consacrée aux 10 ans de la Tour de la Terreur. 2018 et depuis, nous avons fêté des anniversaires et des célébrations tous ensemble. Alors oui, tout ne s'est pas toujours passé comme prévu, mais que ce soit votre première soirée ce soir, que vous ayez fait les 10, vous êtes plus de 7000 réunis ici dans le parc Disneyland, ce lieu que nous aimons tant. Ouais, histoire qui continue de s'écrire avec vous tous. Vas-y. Et je vous propose d'ailleurs de remonter dans le temps. Souvenez-vous, 5 ans en arrière.
bons souvenirs depuis 2018, vraiment, de très belles soirées. Je suis vraiment très heureux de passer cette 10e soirée avec vous. C'était l'instant nostalgie, place maintenant à la grande aventure qui vous attend dans le parc Disneyland. Et je suis ravi de passer avec vous. Et avec ce, je veux dire, parce que pour celles et ceux qui suivent l'émission Passage Showtime, vous savez que je suis régulièrement accompagné de deux camarades adorables, certes, adorables, mais quelque peu envahissants, on va dire. Donc là, je suis plutôt content puisque je suis toute seule ce soir, effectivement, et il n'y a pas. Thank you.
On croise le long, on retourne et on se fait une petite. C'est bon,
bravo à vous dans le public d'avoir si brillamment défendu vos teams. Et oui, bravo. Les amis, le moment est venu de lancer officiellement notre grande aventure dans le parc Disneyland. Et oui, explorez les attractions, les bâtiments, allez à la rencontre de tous les personnages qui savent pour trouver les indices. Et surtout, trouver le nouveau signal qui vous permettra d'accéder à des surprises inévitables. J'active maintenant les QR codes présents sur vos bracelets. Vous pouvez maintenant scanner les QR codes. Bonne chance à toutes et à tous, l'aventure commence maintenant! On fait une réaction à chaud. C'était une dinguerie. Qu'ils aient rejoué Pirates et Princesses, mais c'était inespéré. Grosse dinguerie, grosse dinguerie, c'est bon, allez, fin. La soirée, elle est vendue, les gars, c'était une dinguerie. C'est bon. 55 euros, c'est mérité. Et c'était que le début de la soirée. Donc on se retrouve pour les prochaines aventures sur le parc. On continue justement et on commence enfin la chasse au trésor tout de suite. Bah, tu fais quoi ici, Claire? T'attends quoi là? Bah, Baymax. Mais y a pas de Baymax ce soir? Bah, je sais pas, on m'a dit qu'il y aurait Baymax. Ah ben non. Mais du coup, ça sert à rien d'attendre. Bah du coup, j'y vais. Bah vas-y, allez. Okay. All right, let's calm down. Okay. This is the recon location. Citizens, please stand back. We need vestibular observation zones. Bonsoir. Récit de vos aventures. Ah bah, avec grand plaisir. D'abord, nous venons d'arriver. Le Nautilus est au repos, comme vous l'avez remarqué. Le capitaine vient de partir. Vous l'avez peut-être croisé? Oui, il avait l'air très occupé. Très occupé, vous lui avez parlé? On a essayé, mais il a continué de marcher. Je crois qu'il a eu quelque chose à vous dire en plus, non? Il me semble aussi, ouais. Allez voir son assistant peut-être, il vous dira des choses. Son assistant? Ah, c'est le second maître, il est juste là. Parfait. Allez le voir peut-être. Merci beaucoup. Tout se déroule pour vous comme il faut. Parfait, bonsoir, vous, bonsoir. Écoutez, si vous me demandez, oui, j'ai vécu beaucoup d'aventures. J'ai vu des forêts d'algues sous-marines si denses qu'on ne voyait plus le nez du Nautilus. J'ai vu un calmar géant enrouler le Nautilus de ses tentacules plus longs que le mât d'un navire. Mais surtout, et surtout les explorateurs, j'ai vu une créature marine bien plus dangereuse que toutes les autres. Une baleine, mais pas n'importe quelle baleine, non. Pas une baleine bleue, pas une baleine noire, bien trop vulgaire et ordinaire, non. Cette baleine était blanche. Moby Dick, c'est un très bon nom, je devrais le retenir pour écrire un livre. Cette baleine blanche était longue de plus de 100 mètres. Elle nous a heurtés de plein fouet, nous avons bien cru que nous allions y passer. On a eu les chocottes, comme on dit. Et malgré tout, nous avons mis toutes nos ressources en avant pour fuir. Je déteste fuir devant l'affront, mais il n'y avait pas le choix. 100 mètres, c'est pas gérable. La baleine blanche, blanche comme la neige, c'était magnifique et dangereux à la fois, terrible. Alors les explorateurs, surtout, ne laissez jamais votre audace partir. Mais
Prenez garde à cette baleine blanche, c'est la pire des créatures que je n'ai jamais vue. Et il faut beaucoup, beaucoup de ressources pour l'affronter. Bon courage à vous. Merci du conseil. Continuez vos aventures, je compte sur vous. Merci. On se balade actuellement toujours dans Discoveryland, on cherche les bons indices. Autant vous avouer que le concept, c'est une dinguerie. Littéralement, en fait, c'est... Il y a des personnages qui se baladent partout, on a croisé l'équipage du capitaine Nemo, truc qu'on n'avait jamais pu voir encore et c'était une folie. On a croisé Jules Verne, je vais vous mettre la photo dans le montage. On continue notre balade à la recherche d'indices. Fait exceptionnellement rare qui n'arrive jamais, on a les véhicules de Main Street qui tournent de nuit, regardez, c'est incroyable. Vraiment, le parc, en fait, il est vide. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte, la soirée a commencé. Je suis quasiment tout seul sur Central Plaza. La projection sur le château, elle, est magnifique. Ils ont refait l'affiche qu'on avait de la soirée, mais sur le château en live, c'est incroyable. Et vraiment, contrairement à la dernière soirée des 30 ans, on est vraiment pas beaucoup. Le ressenti vraiment de cette soirée, c'est qu'on n'est pas beaucoup, on est privilégié. Là, il y a le carrousel de Lancelot. Là, il y a Casey Junior. Et quelque part derrière, il y a d'autres attractions. Mais bref, on est à Fantasyland. Et apparemment, il y a un indice dans l'auberge de Cendrillon. Mais moi, je n'ai jamais mis les pieds ici. Et toi ? J'avais mis les pieds dans l'auberge. Est-ce que même c'est j'ai trop cher, oui. Oh, ouais. Est-ce que même j'ai le budget pour aller à l'auberge de Cendrillon ? Juste rentrer, c'est cher. Déjà, je me demande s'ils vont pas nous demander des PA ou de l'argent pour rentrer parce que... Un premier accès, s'ils vont demander un premier accès. Allez sur l'application, voir, il y en a peut-être encore là, des créneaux. Il est 22h nous, donc on peut encore avoir des créneaux. Non, franchement, là, le prochain fois c'est 22h30. Donc, on va essayer de rentrer, on vous tient au jeu. Je devrais vous allez bien ? Je vais très bien, je vous remercie. Superbe tenue. Oh, mais je vous remercie. Merci beaucoup, mais vous êtes magnifique aussi. Incroyable battle. Oh, ça vous a plu, c'est vrai ? Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais la team princesse est toujours la meilleure, on peut rien y faire, c'est comme ça. Désolé. Je suis pragmatique, c'est tout. Et voilà. On en parle que littéralement, quand je vous dis il n'y a personne dans les allées du parc, s'il n'y a personne, là Peter Pan, hein, on parle quand même de The Peter Pan, il y a 5 minutes les gars, on rentre dans Peter Pan, et bonsoir pardon, incroyable, mais 5 minutes à Peter Pan ça n'arrive jamais, j'adore ces effets de fumée là.
On commence par la photo ou pas ça? Photographe, très bien. Incroyable costume, hein. Il est pas mal, hein. Performance incroyable aussi, hein. Merci beaucoup. Team Pierre toujours. Oh là, oh là, oh là. Il y avait des trucs dans la... C'était dans moi. Désolé. C'est pas grave. Je ne savais pas. Avez-vous déjà tenté l'expérience de signer avec des gants? Non. Ça doit être... C'est pas très évident. Ouais. J'imagine. Déjà de faire du téléphone avec des gants. C'est filmé. Tout est là. C'est dans la boîte. Vous faites un crochet, vous prenez un crochet, vous arrachez une page. Ah, c'est pas mal ça. J'y penserai. Comme vous pouvez le voir, on continue. On a réussi à trouver le mot code de Fantasyland avant même de finir les indices. Donc on a décidé quand même de passer à Adventureland. Vous avez pu le voir, on a rencontré Jimmy et Betty. C'est incroyable de pouvoir les rencontrer en vrai au-delà du show et de PA Showtime. Et pareil, c'était une expérience toujours qui est aussi dingue à vivre. Et franchement, cette soirée pour l'instant, c'est un gros kiff. Vraiment du début à la fin, c'est un gros kiff. Donc moi, je n'ai rien à redire. On va voir ce que nous réserve la suite. Où allons-nous, Alexandre? Nous allons dans les grottes. Où allons-nous, Claire? Allez, au revoir, ouais, madame. Bonne soirée. Allez, la sortie, c'est là-bas. Ah, 22h45. Ouais, c'est là-bas la sortie, aller. Madame. Là-bas, là. Là-bas, là. C'est pour vous expliquer, il n'y a pas eu de vlog de moi, mais madame a... Elle a défoncé son téléphone la dernière fois qu'elle est rentrée dans les grottes et il y avait un peu des zombies aussi. Donc le souvenir, il est pas foufou, quoi, vous voyez. Mais là, tout va bien se passer. Mais mon téléphone, il est tout neuf et tout. Oh, tout neuf. Il a quelques mois déjà. Allons bien qu'il en fasse un peu plus, quoi, tu vois. Allons-nous balader dans les grottes. Nous suivons actuellement la jeune Claire qui n'est pas si claire que ça puisque nous ne voyons rien à l'image. Ça c'est raciste ça. Mais Clément Disney il est raciste. Attendez, je vais de ce pas faire un thread sur Twitter. Un tweet maintenant. Comment dire que nous ne voyons pas très bien. Nous ne voyons pas d'indice surtout. Là... Alexandre, votre femme. Vous avez votre carte d'identité? Parce que le mot c'est identité. Franchement, je sais pas ce que ce vlog va donner, mais c'est le brouhaha, y a rien qui se... Oh, elle l'a même pas fait. Oh, voilà. Non, par contre, c'est des voix, c'est bon. Mais tu veux... Bah non, ça perd de son charme. Je disais, je ne sais pas ce que ce vlog va donner, puisqu'il y a ni queue ni tête. C'est-à-dire, on fait des trucs, il se passe d'autres choses en même temps, c'est... J'ai essayé, faire j'ai du coup on est rentré dans le Cobalt Cookout qui est ouvert pour l'occasion pour l'énigme. C'est incroyable de voir le restaurant tel quel. Il fait bon, il fait chaud ici, hein. Mais on va voir ensemble ce que c'est l'énigme justement. Non les amis, question existentielle, on est au niveau des premiers access. Je voulais vous demander, elle sert à quoi la palissade qui est là? Avec ça qui est là. Elle sert à quoi la palissade?
avec la porte à clé pour rentrer là. Mais à bloquer quoi, Claire? Là, là? Tu veux me dire que ça, là? Ça nous bloque l'accès à là, là? Tu veux dire que je fais comme ça, là? Je passe. Elle nous sert à quoi, cette palissade? C'est comme avec... J'ai une réponse à te donner. Disneyland Paris. Nous, en attendant, on continue... Les indices, on stagne un peu. Ah bah si tout le monde est là, on va marcher les amis. Aïe. On stagne un peu niveau indice là. Enfin on stagne. Non on a. C'est, on pense à on en a, quel game en fait. On en a 4 sur 5 donc pour avoir chopé 4 sur 5 indices, c'est qu'il nous en manque un seul, c'est Main Street. On va essayer de voir pour Main Street. Et après ça on va quand même essayer de faire quelques shows parce que jusque là niveau show on n'a pas fait de la folie. Mais non franchement cette soirée. C'est masterclass, c'est excellent qu'ils aient mis autant de moyens dans un site internet avec genre des indices, des intervenants et personnages et tout. Parce que vraiment, enfin, j'ai oublié son nom, excusez-moi, je le mettrai au montage. Mais le personnage là que j'ai croisé, l'ours que j'ai croisé de Frères des Ours. C'est Coda. C'est... Voilà, merci Coda, j'ai même pas besoin d'aller chercher sur Google pour le montage. Donc merci, merci Léo. Merci Léo, dédicace. Léo. Donc le montage. Le montage n'importe quoi, je suis fatigué. Oh là là. L'ours que j'ai croisé, au niveau de Koba. Mais toi, arrête de me tailler, toi. Mais ça me taille. En plus, il fait nuit et on voit plus personne, ça y est. Ah, vous avez entendu, c'est raciste. Donc Koda qu'on a croisé à Cowboy Cookout en vrai. Dinguerie, on le voit jamais. Et puis, au final, je sais pas vous, mais moi, je trouve que le principe de t'as pas de réel queue pour voir le personnage, c'est des interactions comme ça. Mais en fait, t'en fais 10 fois plus. Bah, en fait, t'enchaînes plus. Mais on est d'accord, en fait, les personnages, tu les enchaînes littéralement les uns derrière les autres. Et c'est surtout que vous pouvez pas imaginer comment c'est agréable d'avoir un parc Disneyland aussi vide. Enfin, là, en termes de capacité, en termes de monde sur le parc, on peut comparer ça à quand ils ont rouvert avec le Covid derrière. Vous saviez, quand il y avait des journées là, où il y avait presque personne. C'est un peu ça, c'est vraiment, on se marche pas dessus. Il y a 5 minutes partout. C'est dommage que, effectivement, je peux comprendre la frustration des gens qui n'ont pas pu avoir de billets pour la soirée. Mais pour ceux qui sont là, c'est un vrai privilège de pouvoir être là. Et c'est incroyable. On se retrouve sur Main Street pour continuer notre aventure. À tout de suite. Donald. Oh. Ouais, Donald ! Le boss ! Ouais ! Le boss, c'est toi ! Elle est la boss ! Les boss ! When's the wedding ? No ! T'es trop beau ! T'es super beau, le cuistot ! Wow ! Tu nous as préparé quoi de bon ? Qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi? Une ratatouille. Mais c'est où? Ah c'est... Ouais, mais... C'est toi le chef. Mais c'est toi le chef. Et maintenant, place à l'aventure. Rejoignez notre expédition en suivant le rythme de la jungle. And now it's time for adventure. Join us on our journey to the rhythm of the Jungle Book Jive. What up? Votre adventure car, aïe amare sa, is suriye safar par, jiska naam hai, the Jungle Book Jive. Mes amis, on y est.
Merci, Donald. C'est grâce à ta carte. Je sais que c'est toi, le bâtard. Quelle belle découverte, les amis. Maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver Dingo. Hey, everybody. Here I am, over here with my new friends. Infinity and beyond! Ah.
On est d'accord. Yes, go on. Franchement, là, pareil, mais bon, ça aurait été fait. Laisse passer le monsieur en pyjama. Laisse passer le monsieur en là. Tu montes dans l'Orient. Tout le monde, on est devant le château là. On a fait pas mal de trucs au final, on a vu une tonne de personnages, on a pu voir Boba Fett, ça c'est cool. On a vu R2-D2, on a vu Jules Verne, on a vu plein d'autres personnages, je sais plus à force. On a fait Buzz, première fois que je faisais Buzz sans tirer, bah franchement ça fait plaisir de profiter des cibles, juste vraiment, enfin, pas profiter des cibles, pardon, de profiter de l'attraction en elle-même sans avoir à tirer ou quoi que ce soit. C'est, tu la vois différemment du coup. La chasse au trésor, on a trouvé pas mal de mots, codes et pas mal d'indices, mais on attend de se placer justement pour le grand final. Qu'est-ce que ça va être? J'avais entendu parler de bouche d'illumination. Peut-être, écoutez, après ils ont installé là plein de... sur le sol là, ils ont installé plein de... d'artifices, merci Claire, heureusement Claire elle est là parce que moi j'arrive pas à finir mes vlogs hein. Bonsoir. Ils ont installé plein d'artifices au sol, donc à mon avis ça va être un gros truc. Là on a 35 minutes à faire debout, sans bouger, serré comme des sardines. On se retrouve peut-être tout de suite, voir si nous sommes toujours en vie. Allez, à tout de suite. Inch'Allah.
Et oui, avez-vous trouvé le trésor de ce soir? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Bien sûr. Vous avez exploré toute la soirée le parc Disneyland à la recherche des indices et on espère que vous êtes au moins 80% à avoir trouvé le bon code final. Mais d'abord, nous allons vérifier les bons codes qu'il fallait trouver par Hollande. Et on commence tout de suite par un premier land qui vous a donné du fil à retordre, je crois. C'est Frontierland, n'est-ce pas, Betty? Oui, Frontierland, en vous baladant dans Thunder Mesa, vous pouviez trouver des mots tels que feu, chance, balai, sans oublier la couleur des roses de votre frère, mais la gueule d'un adoré. Et le mot de code Frontierland était... Un coup de chapeau à toutes les personnes qui l'ont trouvé. Bien entendu, qui l'a retrouvé? Alors, ça, c'est un coup à Betty. À mon tour avec un aventure, mon préféré. Vous pouvez voir les indices porte, visite, identité et mémoire qui vous mènent vers le mot carte. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous parlais de ma carte de trésor. Je vais peut-être. Allez, on passe à Discoveryland maintenant. Avec les indices, taille, lance, âge, sans oublier la lune de Space Mountain, bien sûr, qui nous indiquait le mot pierre. Ah, Marquis, c'est bien blanc ce soir. Betty, enchaîne avec Fantasyland. Oh oui, Fantasyland, c'est mon moment d'amour, il y a tout les galettes. Vous pourriez trouver les mots tels que jeunesse, force, saison, ordre, et vous allez deviner le mot de votre qui était amour. Allez, amour, tout le monde. Eh, attends, ça n'a pas de problème. À même situé, c'est vous pouvez voir métro, incendie, trou et égout, des indices qui forment le mot. Attention, le mot bouche. Visiblement, le bouche en oreille a plutôt bien fonctionné ce soir. Et avec les mots bouche, amour, chair, goût et carte, une seule et une chose possible. Le mot code final de la soirée était roulement de tambour. Attention, les yeux. Le mot cœur. Ouais. Bravo à tous. Les amis, le moment tant attendu est arrivé. Gamini, nous allons maintenant découvrir si vous êtes suffisamment nombreux à avoir trouvé le mot cœur. Je vous rappelle qu'il fallait minimum 80% de bonnes réponses validées sur le site internet. J'espère de tout cœur que ça va être le cas. Allez-vous remporter l'aventure ce soir pour rentrer chez vous dans le vide? Together, just like we dreamed it.
Annuel. Nous sommes heureux d'avoir partagé cette grande aventure du parc Disneyland en votre compagnie. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de nuit. A très bientôt dans votre royaume magique. Et bien les amis, c'est sur ce final nostalgique qu'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire aussi, c'est super important, à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche à côté de l'abonnement. Je remercie toutes les personnes qui sont apparues dans ce live et qui ont participé à la soirée. C'était vraiment un truc de gros malade. Personnellement, je fais peut-être une vidéo à vie sur la soirée, mais moi j'ai été conquis, c'était une dinguerie. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus !